Bonsoir et bienvenue dans Regard d'ailleurs. Regard d'ailleurs désormais en vidéo, votre émission d'actu, d'échange et d'opinion. Autour de la table, j'explique le principe de tout ce qui va se passer ici ce soir. J'ai les deux chroniqueurs de Regard d'ailleurs que vous connaissez depuis longtemps déjà, Nadal Maka, François. Bonsoir, c'est... C'est la quatrième année et on repart toujours aussi déterminé, aussi voilà. Oui, comme avant, je suis toujours là déterminé, pas envie de débattre. Ok, le nouveau, disons, autour de ce plateau, c'est Gadi So. Gadi, bonsoir. Bonsoir. Alors, donc, vous venez d'arriver sur, chez nous, à rmi.com. Comment est-ce que ça se passe, l'ambiance? Comment ça se passe? Très bien, je suis ravi d'être parmi vous et ça me fait plaisir d'être là ce soir. Merci de m'avoir invité. Merci, j'espère que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent apprécieront. Regard d'ailleurs, comme je vous ai dit, ça va se dérouler autour de plusieurs rubriques. Nous avons un invité, j'ai envie de dire exceptionnel. Il est là, Jamel Taleb, il est comme éditorialiste à Africa 24. Jamel Taleb, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans Regard d'ailleurs sur rmi.com. Merci, ça me fait absolument plaisir de venir et puis je suis heureux de savoir que je ne suis pas le seul bleu de la soirée, que nous sommes deux. N'est-ce pas, monsieur Saul? Oui. Si j'ai bien compris. Donc, c'est une vraie joie et un vrai plaisir de retrouver des Mauritaniens qui font des choses intelligentes et intéressantes. Plaisir qu'on va partager aujourd'hui, ce soir. Je rappelle que vous êtes éditorialiste à Africa 24. Vous êtes réputé comme étant proche du président mauritanien Mohamed Abdelaziz. Donc, on va parler des relations franco-mauritaniennes et de beaucoup d'autres choses tout au long de cette émission. Tout de suite, la première rubrique de cette émission, un œil sur l'actu. On est sur l'actu, j'explique le principe. Il s'agit de commenter un fait d'actualité qui a marqué les personnes qui sont présentes sur ce plateau. Honneur à notre invité, s'il veut bien commencer. Je m'appelle, quel fait d'actualité a retenu votre attention ces dernières journées? Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, mais celui le plus spectaculaire, c'est les événements de Libye. Donc je ne vais pas dire des choses ni originales, ni spectaculaires, ni innovantes, mais enfin j'ai été choqué un peu comme tout le monde, je suppose. L'appel de mon ami Claude Issiar m'a absolument touché, m'a fait plaisir, et je l'encourage, je le remercie, je le félicite pour la spontanéité, l'intelligence et la perspicacité avec laquelle il a réveillé à peu près l'opinion. Il a été regardé plus de 2 millions de fois en si peu de temps. Mais enfin, ça ne m'étonne pas de la part de Claudie, que je salue, j'espère qu'il nous regarde. Ok, merci. Nada. Alors, moi, c'est plutôt en Mauritanie concernant la nouvelle loi qui condamne les auteurs de la blasphème, exactement. Donc, je ne vois pas, absolument pas l'intérêt de cette loi. Voilà. Il y a deux actualités qui ont retenu mon attention. Alors, il y a le Zimbabwe avec la démission de M. Robert Mugabe, qui est désormais ex-président, et les événements en Libye. J'ai effectivement été choqué aussi de voir que des Noirs, voilà tout à fait, que des Noirs soient vendus comme des bestiaux, sans humanité, de manière, on va dire, cruelle. Ça m'a vraiment choqué. Et ce qui m'a encore le plus choqué, c'est le silence de l'Union africaine et des pays africains de manière générale. Et la responsabilité de l'Union européenne. Ils n'ont pas été très silencieux, on est très injuste avec eux. Non, ça on va en revenir tout à l'heure, voilà. C'est juste une petite réplique. Jamel, on va en revenir tout à l'heure, vous allez pouvoir développer votre pensée et vos idées. Moi, le fait qui a retenu mon attention, disons, c'est le 28 novembre, donc comme vous savez, c'est le 28 novembre, l'anniversaire de l'indépendance de la Mauritanie. À l'approche de cette date, souvent des Mauritaniens qui disent qu'ils ne peuvent pas oublier ce qui s'est passé à Aïnan, ce n'est pas un jour de fête pour eux. Je pense tout simplement qu'il est important que l'État prenne en charge véritablement cette question pour régler cette chose de façon définitive, qu'on la finisse une bonne fois pour que tout le monde puisse effectivement fêter le 28 novembre dans la gaieté et dans la joie. On en vient maintenant place à notre invité, Jamel Taleb. Rebonsoir. Bonsoir. Alors, oui, on va dire bonsoir plusieurs fois. Alors, on vous dit proche du président mauritanien. Pouvez-vous nous éclaircir? Est-ce que vous êtes son avocat, juste un ami, juste quelqu'un qui traite de cette affaire à Paris, pour qu'on en sache un peu plus avec qui ils sont? C'est le président de la République et je suis un de ses soutiens. Ce sera là. Tout le reste ne sont que des spéculations, des supputations. Et vous savez, on dit, ça sera jamais. Non, c'est le président de la République pour lequel j'apporte tout mon soutien. Ce sera là. Pas du tout un ami, c'est pas vrai. Ok, vous n'êtes pas un ami. On retiendra cela. Alors, l'actualité, je disais,
de ces derniers jours, c'est le 28 novembre 2017, où il y a eu le changement d'hymne national et également le changement de drapeau. Jean-Marc, qu'est-ce que ça vous inspire, ces changements? C'est deux ou trois choses différentes. Je ne suis personnellement pas généralement très attaché aux symboles, et donc les symboles ne me posent pas en gros trop de soucis. J'ai discuté avec un de mes amis de l'opposition, le professeur Lugomo, que nous connaissons tous, et je lui ai dit, la semaine dernière, j'ai dit, cher ami Lugomo, dis-moi, quand on était petit, il est un peu plus âgé que moi, on rêvait tous d'avoir un hymne national. Il me dit oui. On n'en avait pas, pas du tout. Celui qu'on avait ne correspondait pas du tout à ce que nous sommes, et d'ailleurs ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Quand on connaît un, ça me va très bien. Il me dit tout à fait parfait. Mais enfin, applaudis, non, je n'applaudis pas. Pour beaucoup de raisons, il a le droit, mais en tout cas, il accepte. D'accord avec moi, c'est le principe. Puis après, j'ai regardé le drapeau national. Je comprends que des Mauritaniens soient attachés à l'ancien drapeau national, c'est pas très grave. La question pour moi, c'est que je suis allé vérifier. Quand je suis allé vérifier, je me suis rendu compte que c'est le drapeau sénégalais de 1923. Juste ça. Et quand je regardais que c'était le drapeau sénégalais de 1923, je me rends compte d'une chose, c'est qu'en tout cas, ce ne sont ni nos ancêtres, ni nos parents qui l'ont choisi. Il nous a été choisi. Nous l'avons adopté incontestablement, enfin, il ne correspond pas à notre histoire. Moi, j'ai une figure africaine qui s'appelle Thomas Sankara. Et Thomas Sankara, un jour, lui pose la question, il lui dit, pourquoi vous avez appelé votre pays le Burkina Faso? Au niveau de la Haute-Volta. Mais il dit pour deux raisons. La première, c'est que c'est nous qui l'avons choisi. La deuxième, c'est que ça nous ressemble. Et donc, qu'on ait au bout de, après 60 ans d'indépendance, une réflexion sur notre hymne national, sur notre drapeau, sur les choix que nous faisons nous-mêmes, ça me paraît tout à fait pertinent. On ne peut jamais faire l'unanimité sur ces sujets-là, jamais. Et puis il y a toujours ceux qui sont attachés à des choses parfois auxquelles ils ne comprennent rien, mais ils sont quand même attachés. Et quand j'ai vu que c'était le drapeau sénégalais de 1923, je me suis dit, merde, pardon pour l'expression pas très polie, mais pendant tout ce temps, je me suis attaché à un symbole qui ne m'appartient même pas, in fine. Je me suis rendu compte que les Sénégalais, ils ont un drapeau actuellement qui était en fait celui qui partageait la même cotation avec le Mali. Et c'est juste quand ils sont partis, ils ont mis une étoile. En fait, c'est normal, parce que leur drapeau est celui qui nous a été donné, enfin, plus sérieusement. Je l'ai dit au début, je ne suis pas très attaché au symbole, mais je considère qu'au bout de 60 ans, on réfléchit sur une évolution de ce que nous représentons et de ce que nous sommes même est une bonne chose. J'ai une amie que j'aime beaucoup qui s'appelle Aminata Traoré, j'en aurais fini, qui est malienne. Et j'étais avec elle à Bamako et je me suis rendu compte que l'hymne national du Mali était en français. Et j'étais choqué et révolté. Enfin, je peux être choqué et révolté pour beaucoup d'autres pays africains. Pourquoi en français? Pourquoi pas en bambara? Pourquoi pas en halpoula? Pourquoi pas le mien dans une autre langue qui nous ressemble à nous? Et donc, je lui ai dit, ça n'est quand même pas normal qu'au bout de 60 ans, nous réfléchissions pas sur des choses-là importantes qui sont toutes, peuvent nous unifier et en tout cas nous donner un symbole. Je trouve que la Mauritanie l'ayant fait quelques années après, d'ailleurs, le discours sur le franc CFA aujourd'hui est tellement pertinent et tellement vrai que finalement je me rends compte que nos ancêtres, enfin ceux qui sont venus avant nous dans les années 70, n'étaient finalement pas si bêtes. Parlant du changement en ce moment, je rappelle que le président Mohamed Abdelaziz l'avait dit le 20 juin 2016, on peut voir la vidéo. المتدخل اللي طالبوا به اللي قد يطالب به ولا يستفاد منه شخص واحد انا اللي قدامكم وانا ما قد طرحت ولا قد قلت عني دور ولا قف عندي دور ماموريه ثالثه ولا طرحت ولا تكلمت عنها ولا درتها وبالتالي دستورنا دستور الجمهوريه الاسلاميه ما يعطي عود يتلاعب به البعض يتلاعب به البعض ويغيروا المصلحة شخص ولا مصلحة أشخاص يعطي عود المرعي فيه هو عن عود يعود وسيلة وسبيل لترسيخ الديمقراطية لا نستفاد منها كاملين هذا هو اللي يعطينا نحافظ عليه ونمشي فيه ولا نأكد لكم أيضا Dans cette vidéo, Mohamed Abdelaziz dit en gros qu'il ne touchera pas la constitution, c'est lui qui avait, il avait le pouvoir, mais il ne touchera pas. Aujourd'hui, la constitution a changé justement pour changer ce drapeau et cette hymne. Que vaut la parole de Mohamed Abdelaziz? Non, Mohamed Abdelaziz n'a jamais dit qu'il ne touchait pas la constitution, il a dit qu'il ne touchait pas la constitution sur des points donnés.
savez, on aime bien nous, Africains. Ce n'est pas d'un politiquement correct qu'on non, pas du tout. Je vais continuer, je vais répondre à votre question jusqu'au bout. Il a dit qu'il ne toucherait pas à la Constitution sur des points donnés. On se dit les choses. Ce qui intéresse les gens, c'est les dispositions liées au mandat présidentiel. Je n'ai pas l'impression qu'il y a vraiment touché. Alors après, qu'on lui ferait des arrêts à penser, c'est bien gentil. Un de mes amis encore de l'opposition, j'en ai quelques-uns, qui me dit, allez, que cache la réforme constitutionnelle de la dernière fois? Je dis, cache rien, parce que tu es bien heureux et tu es tellement pervers dans ta tête que tu aimes bien chercher des choses qui n'existent pas. Mais intéressez-vous à ce que vous avez devant vous plutôt que vous intéresser sur des intentions supposées, supputées et non déclarées. Je n'en sais rien. Jamais Mohamed Abdelaziz ne l'a dit. Et puis, pardon, jamais il ne l'a fait. En tout état de cause. Moi, j'ai un ami très proche, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Vital Kamerhe, il est l'un des chefs de l'opposition au Congo. Et à chaque fois, Vital Kamerhe, je lui dis, Vital, je t'aime beaucoup, mais que le président Kabila change la constitution, ce n'est pas en soi un crime. Et pardon, une constitution qui ne se change pas est une mauvaise constitution. Un texte juridique qui ne se change pas est un mauvais texte juridique. Mais c'est lui-même qui avait dit que cette constitution ne change pas pour Je vais revenir là-dessus. Il n'y a pas un texte juridique qu'on ne change pas, et quand on ne le change pas, il est mauvais. Et quand bien même elle serait belle, elle est de toute façon changeable, et au demeurant. Violer une constitution, c'est la changer selon un mode de révision qui n'est pas adapté. À partir du moment où il est adapté et que vous suiviez son mode de révision, vous ne la violez pas, vous la respectez. Et pardon, c'est aussi ça le droit. Pour autant, rappelons-nous d'une chose. Vous savez, il y a une constitution qui a été dans ce pays, on est en France, qui s'appelle la constitution montagnarde. Vous la connaissez, vous êtes juriste. Qui est magnifique. Elle donne le droit à voter aux femmes, aux hommes, aux enfants, aux grands, aux petits, aux étrangers, à tout le monde. Elle est magnifique, elle est extraordinaire. Elle est tellement extraordinaire que les montagnards ont décidé de mettre un terme pour qu'elle ne soit jamais modifiée. On dit non, elle est tellement bonne qu'il faut que 200 ans après, elle soit encore valable. Il y a un homme célèbre, l'abbé Seyès, qui est celui qui a ouvert la constitution, la révolution et qui l'a fermée. Et il leur dit, mais vous êtes malades. Décidez pour vous, pas pour les générations futures. Les vérités d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes 50 ans après, ni 20 ans après, ni 30 ans après. Et donc, la constitution date de 2006. Elle est excusez-moi, 2006, il y a déjà 11 ans. Ouais. Et donc, vous ne pouvez pas dire que les vérités d'il y a 2006 sont celles d'aujourd'hui. Et donc, on a le droit de changer, d'évoluer par rapport aux situations que nous considérons, nous, comme étant celles du passé. Et donc, l'ABCIS leur dit, nous n'avons pas le droit d'hypothéquer, là je vais dire des générations, nous n'avons pas le droit de décider ce que fera une génération après nous. Décidons pour nous, mais décidons pas pour les autres, nous n'avons pas le droit. Et donc, pour revenir à votre question, puisque c'est ça... J'espère que vous allez très bon. Mais non, j'essaie juste de... Parce que si on ne comprend pas le contexte, on ne peut pas répondre à une situation. Pardon. Le gouvernement mauritanien a décidé que nous n'avons pas besoin d'un Sénat. Mais il y en a qui considèrent que le bicaméralisme est une bonne chose, d'autres qui considèrent que non. Il y en a qui considèrent que la lecture, une deuxième lecture, améliore les circuits législatifs. Je ne suis pas convaincu qu'en France, d'ailleurs, ce soit le cas. Et puis il y a ceux qui considèrent que non, nous avons d'autres possibilités. Allez, on est entre nous. Comment se fabrique la loi dans n'importe quel pays? Tout le monde la fabrique, sauf le Parlement. Qu'on soit clair. En France, ce sont les services du secrétariat général du gouvernement. Parfois, ce sont des officines privées. Parfois, ce sont des consultations à des boîtes ou à des juristes privés. Et quand vous la faites, vous la donnez à la commission des lois qui la décide. Je ne suis pas persuadé, même si je pense que la navette peut avoir pour vertu d'améliorer le droit, elle n'est pas certaine d'améliorer le droit. Mais donc, si nous considérons que la navette est l'alpha et l'oméga, on peut considérer que la réforme est mauvaise. Et il y en a qui peuvent, ils ont le droit. C'est important, vu que les sénateurs ont bloqué. Il y en a qui ont le droit de considérer que ça n'est pas vrai, et que finalement, la navette peut être bien, mais on a une autre manière d'améliorer les lois. Moi, par exemple, je connais quelques gouvernements d'Amérique du Sud qui, eux, ont considéré que la meilleure manière d'améliorer les choses, c'est de changer la donne. Et pour changer la donne, il faut avoir un conseiller économique et social qui, lui, a un regard non pas obligatoire, mais qui peut être conforme. Mon ami et mon professeur Jean-François Prévost me dit toujours une chose très jolie. Il me dit, tant que nous n'avons pas fait des textes administratifs juridiques français, africains qui ressemblent aux Africains qui parlent d'eux-mêmes et qui ne sont pas une pâle copie de ce qui se fait ailleurs, ça ne marchera pas. L'une des difficultés chez nous... Je suis en train de le faire. Oui. Si vous avez une réponse que vous allez me dicter pour que je la dise, dites-le-moi et je le fais tout de suite. Ah, très bien. Alors, vous êtes maître de vos questions, laissez-moi maître de mes réponses. Allez, et donc, mes réponses peuvent ne pas vous convenir, mais c'est celle-là. Moi,
termine juste, voilà. Ah ben si vous voulez qu'elle se termine, c'est sans problème. Allez-y, on s'arrête. Si vous voulez, le temps est parti. Donc du coup, je donne la parole à nos. Alors maintenant, on va parler de l'économie. On peut en Bretagne récemment les FMI publié un article sur le taux de croissance mauritanien. Donc est-ce que avec un taux de croissance de 3,8%, taux de chômage élevé, taux d'analphabétisme, est-ce qu'à votre avis, on peut, pour analyser un peu la situation économique mauritanienne, on peut arriver à instaurer un état protecteur, entre guillemets, un état providence pour une meilleure, un meilleur partage de richesses? Et où est-ce que vous sortez vos chiffres? Sur le site de la Banque mondiale. De la Banque mondiale. Et donc, les chiffres de la Banque mondiale viennent d'où? C'est-à-dire? Ils viennent de la Banque centrale de Mauritanie en général. Oui. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. La croissance mondiale a connu, était en berne depuis ces trois dernières années. La Mauritanie n'y échappe pas. Le coût des matières premières s'est effondré ces dernières années. La Mauritanie n'y échappe pas non plus. Pourtant, vous l'aurez remarqué, que le pétrole a baissé de 50% par rapport à son prix initial. Les économies des États n'ont pas baissé pour autant de 50%. Le prix du fer a baissé de plus de 60%. L'économie mauritanienne ne s'est pas effondrée de plus de 100%. Elle a tenu, c'est qu'elle a des paramètres qui sont plutôt corrects. C'est quoi ces paramètres? Les paramètres, c'est une bonne gouvernance, c'est une société qui s'enrichit. Une bonne gouvernance en Mauritanie. Oui, une société civile qui s'enrichit. Mais moi, j'ai pas de société civile, j'ai une société en général, une classe moyenne. Et donc, je considère, moi, que la gouvernance en Mauritanie est bonne. Vous avez le droit de penser le contraire, mais moi, j'ai le droit de penser qu'elle est... Je répète pour être sûr Mais dans votre question, il y a une... Un sous-entendu. Il y a mieux que ça encore. Il y a carrément une espèce de relent d'attention, comme si vous vouliez me dire « Ah bon ?» Mais oui, ah bon, absolument. Si je vais vous dire « Ah bon ?» Oui. Ah, mais évidemment, je vais vous répondre. Vous savez, depuis que Mohamed Abdelaziz est revenu, devenu président, il y a une révolution dans ce pays à laquelle personne ne fait attention. Et c'est extraordinaire. Mm-hmm. Tout le monde sait que pendant les 21 ans de l'Otaïa, les entreprises publiques étaient vachalées. Les fonctionnaires faisaient à peu près ce qu'ils voulaient. Il n'y a pas un fonctionnaire qui n'avait pas sa petite pièce pour aller récupérer du carburant. Les voitures étaient achetées à tort et à travers et elles fonctionnaient pour les campagnes électorales. Tout le monde sait que les entreprises publiques étaient un moyen de campagne électorale permanent. Cette culture-là a changé. Deuxième chose, j'ai une cousine qui... Vous êtes sûr que ça a changé? Ah, si vous ne le voyez pas, c'est que vous êtes aveugle. Vous êtes bien seul. Ah, voilà, vous vivez beaucoup à l'étranger, venez un peu en Mauritanie, comme moi, vous allez vous en rendre compte. Très bien, vous ne le faites pas. J'ai une cousine qui est institutrice à Nouakchott. Et je lui dis, alors depuis que les réformes ont changé, qu'est-ce qui a changé pour toi? Elle me dit pas grand-chose parce que je percevais en gros 120 000 ouïa par mois. Je perçois aujourd'hui 125 000. Donc mon pouvoir d'achat a augmenté de 5 000 ouïa. Alors la seule différence près, c'est qu'elle me dit, elle, c'est que mon collègue instituteur, lui, n'avait pas de maison. Et donc, comme on louait des maisons, on logeait une partie des instituteurs et pas tous, lui n'en avait pas. Et lui, désormais, a 20 000 ouïas supplémentaires de primes de transport et 25 000 de primes de logement. Et comme moi, j'avais un logement et pas de primes, désormais, lui, il a une prime et un logement. Pour lui, évidemment, la situation s'est considérablement améliorée. Son revenu a augmenté de 45 000 ouïas. Le mien, dit-elle, a augmenté de 5 000. Ce qui fait que le mien n'a pas beaucoup augmenté, mais il y a désormais une justice. Et je sais que ce qui est juste n'est pas toujours bon. Mais ça s'appelle la justice sociale. Tout le monde connaît la direction du matériel de Mauritanie, qui était une espèce de vache à lait, qui consistait à enrichir à peu près tout le monde, sauf les fonctionnaires de Mauritanie. Elle avait des engagements doubles par rapport à son... qui doublait le budget réel qui lui était alloué. Et elle exerçait le droit un an sur deux. Ce système-là est terminé, cette culture-là est terminée, et vous ne pouvez pas considérer que c'est la bonne gouvernance. La deuxième chose, c'est que... regardez juste le taux de route bitumée depuis 7 ans. Et si vous ne l'avez pas regardé, je peux vous donner les chiffres, et ils sont totalement éloquents. La troisième chose, si vous considérez qu'il est trop de minutes à chaque fois que je rentre dans le vif du sujet, elle s'arrête, c'est pas très bien. Ah, vous voulez. Mais quels sont les effets? Alors, je vais répondre aux pluies et répondre au reste. Moi, j'ai suivi le maire de Marseille, à qui on a demandé dans un hiver, on lui dit, mais vous êtes malade, il y a de la neige partout, Marseille est bloquée. On parle de la Mauritanie. Ah, mais je vais donner mon exemple comme je le souhaite. Laissez-moi mettre de mes exemples, même s'ils ne vous conviennent pas et qu'ils ne sont pas très intelligents. Allez-y, j'ai le droit de ne pas être intelligent aussi. Si vous êtes intelligent. Et donc,
le maire de Marseille dit « Ah, vous êtes mignon, vous voulez bien que j'achète des chasse-neiges, que je fasse des équipements, c'est tellement de choses, c'est une pluie, c'est une neige de temps en temps. » À Mauritanie, ça a été la politique pendant tout le temps de tout le monde. Nous n'avons pas de système d'assainissement, nous n'avons pas un système d'évacuation des eaux. Nous avons une difficulté encore plus grande, c'est que nous avons fait un approvisionnement en eau potable de Nouakchott à partir du fleuve. Et tous les mois, on a 120 000 mètres cubes qui sont déversés dans Nouakchott. Ils sont déversés dans une ville qui n'a aucun système d'égout et aucun système d'évacuation et qui n'est pas capable de partir. Évidemment, la moindre pluie qui arrive et comme le sol, au bout d'un moment, il y a des sédiments et qui n'absorbent plus, mais nous sommes arrivés à une situation où nous ne sommes plus capables de faire quoi que ce soit. Et comme on n'est plus capable de faire quoi que ce soit, évidemment, la moindre pluie fait que tout cela devient in fine une espèce de marécage permanent. Alors, on a les choix. Les choix et l'obligation, c'est de faire des équipements, des aménagements assez importants et très lourds. Or, ces aménagements-là, laissez-moi les finir parce que c'est important, consistent à quoi ? Consistent à faire deux types d'assainissement. Un assainissement pluie et un assainissement normal, traditionnel. Vous ne le faites pas sur 5 ans, sur 5 mois, vous le faites sur 15 ans, vous le faites sur 20 ans. C'est comme ça, ça n'a jamais été fait. Alors, formidable. Sauf que le gouvernement mauritanien, depuis maintenant 2 ans, a compris, in fine, donner le temps un tout petit peu d'avoir les investissements qu'il faut, de faire un assainissement pluie. Et dès qu'il y a un assainissement pluie, vous avez remarqué cette année qu'il n'y a pratiquement pas de bitume perdu, qu'il n'y a plus la situation qu'on avait par avant. Et donc, dans une année, probablement, l'assainissement pluie va être terminé. Après, il y a 17 km de travaux qui ont commencé sur l'assainissement normal. On réinvitera quand il faudra vérifier ça. Si vous êtes des observateurs avisés de la vie politique, c'est dans le cadre des histoires, ça se voit tout de suite. Et pardon, je vous donne des chiffres de la situation. Et nous avons actuellement 33 km, ce n'est pas fini, de kilomètres d'assainissement qui sont actuellement d'être aménagés. Pardon, ce qui n'a pas été fait depuis les indépendances est en train d'être fait. Je comprends probablement que la gouvernance en pose un problème. Enfin, une gouvernance comme ça, donnez-la moi, je la prends tous les jours. Ça, les chômages. On n'a pas eu des effets positifs sur le chômage. Un jeune diplômé aujourd'hui, comment... Enfin, si je vais chercher un emploi, comment il fait ? Alors, il y a une belle phrase de Clémenceau qui dit « Quand je me compare, je me console et quand je me regarde, je me désole. » Évidemment, quand je me regarde chez moi et que je me dis le taux de chômage est à un niveau assez important des jeunes, je crois qu'en Mauritanie, il est 10-11%, c'est beaucoup. Mais quand vous comparez avec les pays voisins, vous allez tout simplement considérer que c'est pas bien, mais que la comparaison est plutôt flatteuse. Et en effet, vous avez raison. Mais vous aurez remarqué, chère madame, que je ne suis pas le ministre du Travail, ni ministre de l'Économie, et que ne me demandez pas des détails. Ne me demandez pas des détails, ce que je ne sais pas. Mais ce que je sais très bien, c'est que le gouvernement mauritanien, de ce point de vue-là, se maintient beaucoup mieux que les autres et que le chômage et la croissance dans notre pays n'a strictement rien à voir avec tous les pays semblables et proches. Une question juste pour proche de ça. Quand vous voyez le mouvement Manichal et Gazouane à Nouakchott, à quoi ça vous fait penser justement de ces jeunes qui n'arrivent pas à... Je ne le connais pas. Donc, après mes mois, je vis beaucoup trop à l'étranger comme vous. Il y a des détails qui m'échappent. Il y a des choses qui m'échappent. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Je suis un petit bourgeois comme tous les autres et je ne fais pas attention à un certain nombre de choses, un peu comme vous. Mais pardon. Bourgeois, moi ? Bravo. Ce n'est pas une insulte, c'est un compliment. Pas encore. Merci. Je voudrais revenir sur la réforme constitutionnelle du 15 juillet 2017 qui a permis la modification, le changement de dîner national, pardon, la suppression du Sénat. La Cour de justice de la République n'a jamais été modifiée, n'a jamais été changée. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, elle n'a jamais été dans le problème. Cela dit, elle ne sert à rien et c'est une juridiction d'exception. Il n'y a qu'en Mauritanie où je vois l'opposition demander à ce qu'on ne supprime pas une juridiction d'exception. J'étais favorable personnellement à ce qu'elle soit supprimée. Le point sur lequel je voudrais insister, parce que le Sénat a été supprimé, une fois que le Sénat a été supprimé, on a prévu la création de conseils régionaux, ce qui veut dire qu'il y aura des membres qui seront élus, qui auront un pouvoir. Aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une utilité d'avoir fait cette réforme constitutionnelle ? Est-ce que ces conseils régionaux permettront aujourd'hui le développement des régions, puisqu'en Mauritanie, on se rend compte que certaines régions sont plus développées que d'autres. Quand on regarde le sud, je pense aux régions comme Guidimara, c'est catastrophique. Au niveau des infrastructures, au niveau des services publics, il n'y a pratiquement pas grand-chose, Auvergne-en-Nouvelle. Est-ce que ces conseils régionaux seront dotés de compétences, ou ce sera de nouvelles collectivités qui seront créées pour développer, on va dire, nos régions ? Et est-ce que le passage du bicaméralisme au monocamérisme, est-ce que ça permettra de faire de bonnes lois ?
J'ai déjà répondu à la première façon, à la deuxième partie de votre question, et je vous ai dit encore une fois que je ne suis pas persuadé que le bicaméralisme soit l'alpha et l'oméga du droit. Et je ne suis pas persuadé que le fait d'avoir deux lectures soit forcément une amélioration législative. Et dans tous les pays où il y a deux chambres, il n'y a pas forcément une meilleure loi. Je me souviens d'un prof de droit qui me disait une chose très jolie, disons 350 000 textes de loi par an, c'est énorme. Et me dit-il, dans la forêt du droit, il n'y a que des feuilles mortes, parce que nous en faisons beaucoup, parce que c'est le pays de l'inflation législative par excellence. Et la qualité n'est pas si bonne que ça, tout le monde le sait d'ailleurs. Mais il faut quand même la vérifier. D'ailleurs, en France, elle est tellement pas bonne qu'on a créé la QPC, vous le savez très bien mieux que moi, que c'est une excellente révolution juridique. Et pourquoi on l'a fait? Parce qu'on a considéré que le droit produit au rang n'est pas toujours très bon. Mais enfin, quant à la première partie de votre question, et d'ailleurs, ce qui est formidable, c'est qu'on fait la question et la réponse. C'est très bien. Il y a deux choses différentes. Un, si vous me dites, moi, Monsieur Song, je considère que la réforme qui est faite n'est pas bonne parce que je considère qu'une deuxième chambre est bien et que des assemblées régionales ne sont pas utiles. C'est votre opinion, c'est votre avis, il est respectable et je le respecte. Alors, très bien, je finis. Je n'ai pas dit ça. Je pose un postulat. Moi, Jamal, je considère et je crois qu'une deuxième chambre n'est pas tellement indispensable et qu'in fine, on est capable, par des choses intelligentes, d'inventer de nous-mêmes, des dispositions constitutionnelles ou en tout cas institutionnelles nouvelles qui nous appartiennent et qui nous ressemblent. C'est un choix. Quant à votre question, moi je suis du Hot. Croyez-moi, c'est pas très riche non plus comme les Guinimaka. Et je vous jure que nous ne sommes pas dotés non plus. Nous n'avons jamais été dotés davantage. Que le gouvernement mauritanien, laissez-moi finir ma réponse, que le gouvernement mauritanien décide aujourd'hui en 10 ans, c'est deux choses différentes. Au lieu d'avoir une chambre qui représente des régions, ayons d'abord des régions. Et que nous considérons, nous, que le développement local n'est possible que quand il est proche. Et pour qu'il soit proche, nous avons besoin que les citoyens de la région mettent en place les mécanismes nécessaires pour que les régions se regroupent. Et pour cela, nous allons leur donner un cadre juridique, un cadre institutionnel. C'est ce qu'on appelle donc les nouvelles configurations régionales. On n'en sait pas encore, on n'en connaît pas encore les contours parce que la loi ne l'a pas produit encore. Ça va se faire. Mais en tout état de cause, c'est très bien. J'ai un ami sénateur qui me dit, entre nous, évidemment, un sénateur français, il me dit, cela, ça ne sera pas entre nous. C'est une anomalie de la République, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jospin. Et le général de Gaulle, qui est une personnalité assez peu importante de ce pays, avait dit en 1969, sans certainement rien, que je voudrais le supprimer. Bon, il n'y est pas arrivé. En tout cas, tous les gouvernements successifs vous disent c'est une anomalie de la République. Et quand je lui ai raconté que nous l'avons supprimé et que nous avons l'intention de faire des assemblées régionales, il me dit, eh bien, vous allez faire des choses intelligentes. Et puis, comme vous êtes juriste, vous connaissez très bien un livre très célèbre qui est de Tocqueville, qui s'appelle « De la démocratie en Amérique » et qui dit une chose très jolie. Il dit, plus la gestion est proche, plus le résultat est important. Et il explique dans l'ancien régime et la révolution qu'in fine, nous ne sommes pas capables de développer une région si nous ne considérons pas que le découpage et l'unité locale se développent d'abord. Et pour qu'elle se développe, il faut lui donner des instruments pour qu'elle se développe. Et le premier instrument qu'on a, c'est une autogestion. Et j'aimerais finir sur le dernier point, c'est que le même Tocqueville a inspiré lui-même de l'Amérique, a inspiré le développement régional dans le pays où nous sommes aujourd'hui. 36 760 communes. 26 régions hier, 13 aujourd'hui. Eh bien, si en Mauritanie, nous aurons 4, 5, 6 grandes régions qui sont capables d'avoir le développement local, on aura gagné. Que ceux qui pleurent pour le Sénat essuient leurs larmes, c'est pas très grave. On aura des assemblées qui vont nous faire oublier le Sénat. Alors, Jamal, on va poursuivre. Veuillez, s'il vous plaît, répondre de façon un peu plus brillante pour qu'on puisse continuer, surtout finir cette émission, parce que l'heure est déjà très, très, très tardive. Ce qui est bien chez M. Wan, c'est qu'il décide de ses questions, mais il ne nous donne pas le droit, moi, de décider de la réponse. Vous allez vous décourager, parce que je ne vais pas vous écouter.